Nicolas est né il y a très très longtemps, dans un pays très 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 loin. Ses parents étaient très riches, il hérita de leur fortune. Tout cet argent, Nicolas le donna aux plus pauvres. Et on commença alors à parler beaucoup de lui, au travers de légendes, comme celle des trois jeunes filles qui étaient trop pauvres pour se marier. Mais Nicolas les aida. Et on raconte qu'il jeta par la cheminée une pluie de pièces d'or. Quand Nicolas est mort, un 6 décembre, il est devenu un saint. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle Saint-Nicolas. Et tous les ans, le 6 décembre, les enfants attendent sa venue avec impatience. Et oui, Saint-Nicolas est désormais le patron des enfants, des orphelins et des écoliers, mais également des voyageurs, des marins, des avocats et des pâtissiers. On fête Saint-Nicolas en Lorraine, en Alsace, dans le nord de la France et aussi dans beaucoup d'autres pays. Comme aux Pays-Bas, où Saint-Nicolas se déplace sur un magnifique cheval blanc. Savez-vous pourquoi Saint-Nicolas est le protecteur des enfants? Non? Alors écoutez la légende de Saint-Nicolas et des trois petits-enfants. Ils étaient trois petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. Tant sont allés, tant sont venus, que sur le soir se sont perdus. Ils sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Ils n'étaient pas si tôt rentrés que le boucher les a tués. Les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceaux. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer de tout ce champ. Elle a frappé chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Entrez, entrez, Saint-Nicolas. Il y a de la place, ils n'en font pas. Il n'était pas si tôt rentré qu'il a demandé à souper. Du petit salé, je veux savoir. Dans sa loi, quand le boucher entendit ça, hors de la porte il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, reprends-toi, tu te pardonneras. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de ce salon. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas, et le saint étend de trois doigts. Les petits se lèvent tous les deux. Le premier, j'ai bien dormi, le second dit, et moi aussi. Et le troisième a répondu, je me croyais en paradis. On raconte
que depuis ce jour, Saint Nicolas passe de maison en maison avec son âne pour distribuer des friandises à tous les enfants qui ont été sages et obéissants. N'oubliez pas de mettre une carotte et un morceau de sucre devant votre porte. Sinon, l'âne serait très déçu et l'année prochaine, il risquerait de ne pas guider Saint-Nicolas jusque chez vous. Mais attention, pour ceux qui n'ont pas été gentils, c'est le terrible Père Fouettard qui distribue les coups de martinet. Prenez garde! Maintenant que vous connaissez bien Saint-Nicolas, n'oubliez pas, petits et grands, que tous les ans, Saint-Nicolas sur son âne viendra peut-être vous récompenser pour avoir été très sage et très obéissant. Vous aussi les parents, n'oubliez pas que vous êtes des grands enfants. Comment ? Vous n'y croyez pas ? Alors levez les yeux et regardez vers le ciel. Là, cette étoile, la plus brillante de toutes, c'est celle de Saint-Nicolas. Et les autres étoiles, ce sont les vôtres et celles de tous les enfants que protège Saint-Nicolas. Regardez comme elles illuminent le ciel!